On est lundi matin, donc tout le monde est en réunion, donc on a des connexions dégueulasses, paraît-il. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre. On peut à tout moment être figé dans notre plus beau visage. Voilà, et ce pendant 10 minutes. Ben, en plus, voilà, regardez, je reste figée. Non, mais c'est pas vrai, je suis figée là. En plus, Mais mais quelle horreur! Non, faut ben, c'est pas bien fait chambrer la pour bande moi! passante. Faut pas Oh chambrer la là bande là! passante. Elle aime pas Ah non, ça. non! Ouais, c'est ça, elle est trop provoquée. Oh la vilaine, oh la vilaine. Benjamin Muller, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien. Moi, j'embrasse la bande passante. Je sais que ma connexion est excellente, donc tout va bien se passer. On attend les messages et les questions, surtout pour nos invités. Thierry Harvey, le gynécologue des diaconesses, sera normalement avec nous tout à l'heure. Visiblement, la connexion est un peu meilleure. Donc, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions et aussi à Florence Devailly, qui sera avec nous, Agathe, dans quelques minutes. Vous ouvrez la page Facebook de la Maison des Maternelles, vous cliquez sur le live, vous posez vos questions et nous, on relaye tout avec plaisir. Et Marie Perarnaud qui nous aide tous les matins à essayer de vivre ce confinement le mieux possible. Elle nous donne des idées d'activités, elle nous donne des choses intelligentes à faire, des moments précieux à partager avec nos enfants. Et là, on va écouter des choses, Marie, ce matin avec eux. Oui, on va écouter des choses, alors que moi, de mon côté, je passe mon temps à leur hurler dessus et à tenter de faire des jeux qui se terminent toujours en drame. Je vous donne en tout cas de bons conseils. Ce matin, on va écouter des histoires, puisque ça, comme la musique, ça adoucit les mœurs. Espérons-le. Voilà, exactement. Ne vous inquiétez pas, Marie, j'ai moi-même créé deux nodules sur mes cordes vocales à force de hurler sur mes enfants. Et hier, le petit a lancé une télé en plastique sur le front du grand qui juste avant de dormir. Voilà, donc autant vous dire que j'ai créé un troisième nodule. Tout à l'heure, nous parlerons épisiotomie avec nos invités. C'est un dossier que nous avions traité il y a quelques mois. On va répondre à toutes les questions que vous vous posez si vous allez accoucher. Et puis, nous aurons le grand retour du docteur Thierry Harvey, gynéco, auquel vous pouvez poser toutes vos questions, évidemment. Mais tout de suite, on accueille Alessia. Bonjour, Alessia. Ah, Alicia, on ne vous entend pas. Décidément, on est maudit ce matin. Est-ce que le son est allumé chez vous? Non, toujours pas. Peut-être appuyer sur un petit bouton. Et là, non. Peut-être enlever le casque complètement de l'ordinateur. Vous l'avez débranché, là, je ne vous entends toujours pas. Agathe Le Débrancher Caron, peut-être. Oui. technicienne. Technicienne. Attends, Paris-Bordeaux-le-Mans. Paris-Bordeaux-le-Mans, Alicia. Elle parlait pour voir. On va la reprendre dans quelques instants. En attendant, Merci. Benjamin, on va faire ce qui s'appelle meubler. Et c'est Bien, dans ces vous voulez. moments-là qu'on est content d'avoir 22 ans de métier. C'est bien. Et là, si je me fiche comme ça pendant très longtemps, c'est à vous de meubler tout seul. Bonne chance. Je vais meubler tout seul, mais je vais vous dire, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que j'adore faire, moi, pendant l'émission, je vous le dis à chaque fois, c'est de regarder d'où on nous envoie les messages. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, vous avez vu dans les messages qui passent là sur Facebook, Agathe, on a des bonjours Ouais. de Nantes, bonjour de Cannes, bonjour de Bordeaux, tout ça, c'est normal. Et on a beaucoup de bonjour de l'île Maurice. Et je sais pas si ce qui se passe, on est très regardé à l'île Maurice, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont actuellement au paradis. Voilà, Céline qu'on embrasse, qui sont actuellement au paradis, qui nous regardent sans doute les pieds dans l'eau à boire un cocktail, parce que moi j'imagine tous les Mauriciens qui sont les pieds dans l'eau à Oh boire un la cocktail en nous regardant. chance. Donc bonjour à tous, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez. Est-ce que la connexion s'est améliorée, Agathe, avec Alessia? Non, elle s'est pas vraiment améliorée. On va essayer tout à l'heure. Tout de suite, on va accueillir donc le docteur Thierry Harvey qu'on avait perdu tout à l'heure en première partie d'émission. Oui. Docteur, est-ce qu'on vous entend bien? Bah, normalement, oui, ce coup-ci, je suis bien branché, non? Ah Bah là, bien c'est bien. sûr. Bah Là, ouais, vous là, avez tu fait. m'entends. Ah oui. Deux, Bah, trois pas, trois pas chassés volants et ça y est, on y est. Alors docteur, je rappelle, je refais Ouais. un peu le CV au cas où vous n'auriez pas été avec nous ce matin. Vous êtes Okay. gynéco-obstétricien, responsable de la maternité des diaconettes ce matin à Paris. Qu'est-ce que je raconte? Ce que je vous Ouais, ai c'est demandé tout à l'heure. Non, non, mais c'est parce que j'ai pas eu. Je vais plus vite que la musique parce que j'ai pas eu ma réponse à ma question tout à l'heure. Je vous disais, vous êtes une maternité, ça. Vous êtes une maternité qui est super humaine. Vous faites hyper attention justement à ce que le père ou l'accompagnante soit avec la maman qui accouche. Vraiment, vous faites très attention à ça. Comment est-ce que du coup vous êtes adapté à cette période de Covid qui est Alors, contre ouais, on nature? sait. Oui, complètement. Bah, c'est-à-dire que mourir un peu trop tôt, c'est contre nature. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire au mieux. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'il se transmet? Est-ce qu'il se transmet juste parce qu'on va cracher à 1 mètre, 2 mètres, etc. Ou est-ce qu'il y a une nébulisation? Et on ne comprenait pas pourquoi il y avait des cas graves chez des jeunes alors que les Chinois nous avaient dit, ouais, c'est juste une petite pneumonie, ça touche les vieux.
Donc du coup, on a réduit les allées et venues en se disant quelle est la partie essentielle, c'est la présence de l'accompagnant, donc du coparent, en salle de naissance. Et du coup, ça nous a rappelé la grippe H1N1, où toutes les maternités ont été confinées. Et pour le grand bonheur d'un certain nombre de patientes, du coup, il y avait l'accès à la belle-mère qui était réduit. Et donc, il y en a un certain nombre qui nous ont remercié. On a Ça changé les m'étonne. heures de visite à l'époque en les commençant à l'heure du goûter, ce qui permettait aux jeunes accouchés de faire la sieste. Donc, du coup, on s'est dit, quel est le moment indispensable? Le moment indispensable, en tout cas pour celles qui le souhaitent, c'est la présence du conjoint en salle de naissance. Donc, la procédure à l'heure actuelle, lorsque les patientes arrivent en travail, elles montent en salle de naissance, le conjoint reste dans le jardin. On a la chance, les Algéco de la future maternité qui devait ouvrir au mois de juin ont été retirés. Par contre, on ne déménage toujours pas. Et donc, le conjoint reste en bas. Et si jamais elle n'est pas en travail, ben, il rentre à la maison. Et si elle est en travail, à ce moment-là, on les confine dans la salle de naissance. Alors, ce qu'on a dit au papa, c'est vous prenez vos précautions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme à l'école, le mec qui a envie d'aller faire pipi, il sonne et il va faire pipi. Donc, il mange un petit peu avant, etc., etc. Et ça se passe pas si mal que ça, les gens le comprennent. Ensuite, il y a les 2 heures de surveillance en post-accouchement. Ces 2 heures-là, ben, ils restent ensemble. Et puis, après, c'est là où c'est un petit peu compliqué parce qu'on aime bien voir la présence des conjoints dans le secteur mère-enfant. On le fait rentrer à la maison et il revient chercher sa conjointe, au moment de la sortie. Donc, ça se passe plutôt pas trop mal. Il y a un certain nombre de maternités qui avaient commencé à interdire totalement la présence du conjoint. Donc, on s'est dit que c'était un petit peu trop. Et là, on est tous en train de réfléchir. On a une fois ou 2 fois par jour, on a une tournée de mails avec l'ARS en copie entre tous les chefs de service de l'Île-de-France et de Paris aussi, puisque je suis le président du réseau périnatal parisien. Et donc, on essaye de voir à quel moment on va pouvoir déconfiner. Alors, ce qu'on pense faire dans un futur, c'est autoriser le papa à rester dans une fourchette horaire. C'est un petit peu la même chose qu'on a dans d'autres services. Bon, je ne vais pas parler des EHPAD, on n'est pas dans la même situation. On Non, a le surtout service de Thierry, soins palliatifs. on a plein de questions. Thierry, on a plein de questions qui arrivent sur les Donc réseaux. voilà. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de répondre à tout et on va frustrer Bon, les allons-y. futures mamans. On y va? Feu les questions. Benjamin, c'est Ouais. parti. On a plein de questions. On a aussi des téléspectateurs qui sont très observateurs. Il y a Alessandra qui remarque le super tableau derrière vous. Effectivement, Alessandra, je l'avais Lequel? remarqué aussi. Bah, visiblement, Lequel? l'origine Là du monde, ou là? avec le petit pouce. Non, plutôt Ouais, plutôt bravo. l'autre de Courbet. On a une question très concrète de Magali qui vous demande si elle a déjà accouché une première fois. Elle est actuellement enceinte et elle vous demande si les accouchements seront les mêmes avant et après Covid. Ou est-ce que globalement, vous diriez qu'il Ah va bah y avoir une forme de révolution? oui. Non, 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 non. Je pense que ça fait quelques centaines de milliers d'années que les accouchements se passent de la même façon. L'accompagnement, on essaie de le rendre meilleur. Non, non, on va essayer de revenir à quelque chose de bien. Après, non, non, il n'y a pas de raison que ça soit différent. On va, voilà, dès qu'on sera déconfiné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déconfiné? J'en sais rien. Est-ce Ben nous qu'on non va plus. avoir des gens qui vont porter des masques? Voilà, j'ai le mien à côté pour quand je me trimballe dans le service. Vous voyez, il est prêt. Justement, docteur Harvey, sur Instagram, il y a Ella Yara qui dit j'accouche dans moins de 2 semaines. Dois-je porter un masque pour m'occuper de mon bébé après sa Oui. naissance, au Non. cas où je suis porteuse saine? Alors, oui, non, non, oui. Donc là, il y a plein de questions en une. On se pose la question à l'heure actuelle du dépistage systématique du portage. On va probablement y mettre ce qui va permettre de dire à certaines, vous n'êtes pas porteuse, et à d'autres, vous êtes porteuse, entre guillemets, saine. Alors, ce n'est pas porteuse saine, c'est porteur contaminant, non contaminant. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si jamais on découvre la présence de Covid dans les voies aériennes, à ce moment-là, elle pourra donner le sein sans aucun problème ou le biberon si elle le souhaite en portant un masque. Et puis après, elle couche son bébé à 2 mètres de distance de la bouche, ce qui n'est pas très loin puisque, bon, je ne dis pas qu'elle mesure 2 mètres, mais au pied du lit, c'est absolument. Par contre, du coup, celles qui sont négatives ou pour lesquelles le conjoint est aussi négatif, il n'y a pas de précaution particulière. En sachant que le problème du prélèvement, c'est qu'il y a des faux négatifs. Alors, soit parce qu'il n'est pas suffisamment bien fait. Je rappelle qu'un prélèvement correctement bien fait, c'est tout au fond des narines jusque ça gratte au fond de la gorge. Okay, si c'est quand vous voyez des vidéos où
Il y a du dépistage avec au travers de la portière de la voiture où on met juste les couvillons à l'avant du nez. C'est pas ça, le dépistage. Donc voilà, elle Ce pourra qui donner le explique les sein faux et puis. négatifs. Ouais, d'accord, c'est noté. Yes. Docteur, question de Sarah, si possible, avec une réponse relativement courte. Elle vous demande comment ça se passe pour les Aïe. césariennes. Alors ça nous embête, mais le papa ou la conjointe ne rentre pas au bloc. Pourquoi? Parce qu'on a inversé les pressions, donc on ne va pas faire trop de technique, mais pour le moment, il n'y a pas de. Le conjoint ne vient pas au bloc opératoire. Ensuite, soit la surveillance se fait au réveil, donc la salle de surveillance post-interventionnelle, et là, pareil, ils sont séparés. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est que la suite du bloc soit dans une salle de naissance où là, on regroupe la famille. D'accord. Mais pour le moment, pas Merci au bloc. beaucoup. Merci, merci docteur Thierry Hervé. Bon, on n'a pas eu notre dose de vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a été un petit peu, on a perdu un petit peu de temps avec ces histoires de connexion. Mais bon, on est censé se C'est la revoir. vie. Bon, Ah, mais c'est on quand vous vous voulez, hein, je embrasse. suis moi aussi, pareil. Ciao, ciao. Bon courage Pas vraiment. de On va souci. récupérer Alessia. On l'entendait pas tout à l'heure, Alessia, mais là, je crois que ça va. Alessia, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Très bien. Vous Bonjour. êtes avec la petite Gaïa qui est toute, Oui. toute petite parce qu'elle a tout juste un mois Voilà. aujourd'hui. Bon mois d'hiver Exactement. à Gaïa. Alessia, vous avez vécu des sacrées émotions. Je précise que vous avez aussi une petite fille qui s'appelle Livia, magnifique prénom, qui a 8 ans. Luca, qui a 2 ans. Et alors, après votre accouchement, vous avez toutes les deux été testées positives là avec Gaïa au Covid. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Le 27 Tout à mars, fait. vous accouchez de Gaïa aux urgences de Necker. C'est un accouchement express, il faut le dire, parce que vous avez Très, très rapide. rompu la poche des os dans un box. C'est ça. Directement aux urgences. Ça a duré, on est arrivé à la porte de la maternité à 23h18 et à 23h46, elle était là. Donc, Ah bah écoutez, et donc pas eu c'était le temps de faire de exprès. péridurale, rien. Pas du tout. Ça s'est très bien passé. Juste, j'ai eu un moment un peu compliqué quand j'ai entendu la sage-femme très calme qui a demandé par téléphone à sa collègue un kit naissance sac à dos. Là, Oula. j'ai dit, oups, ça va se passer ici. Mais sinon, tout s'est bien passé. Et je ne souhaitais pas avoir d'anesthésie. Donc voilà, les problèmes ne s'est même pas posé. Et en plus, à l'époque, le protocole Necker, c'était avoir le papa, en l'occurrence, avec vous pendant l'accouchement. Donc, il était là. Vous pensiez que vous alliez sortir 2 jours plus tard. Et puis, quelques jours plus tard, après votre accouchement, vous Ouais. commencez à avoir des symptômes. Vous avez de la fièvre. Gaïa aussi, juste après vous. Donc, vous êtes isolée dans l'aile Covid de la maternité. Testée ensuite positive toutes les deux au virus. Comment ça s'est passé cette période d'isolement auquel, évidemment, vous ne vous attendiez absolument pas? Bah, c'était en effet un peu compliqué parce que on s'attendait à un protocole des sorties très très rapide, vu qu'on allait bien et c'était le troisième. Et les dimanches, à la place qui est sortir, on a été placé en unité Covid. C'est un endroit auquel on ne s'attend pas, surtout quand on accouche. Tout le monde rentre, bah, comme on voit à la télé, hein, hyper protégé, les gants, les masques. Les sages-femmes qui normalement sont là, ils nous aident à mettre les bébés au sein, à le toucher, ils les prennent pas trop dans les bras, donc c'est un peu compliqué et c'est compliqué aussi parce qu'on est complètement coupé de tout. On est enfermé dans cette pièce avec. J'étais pas préparée, donc j'avais absolument rien à faire et même pas un livre, rien du tout. Et seulement la télé dans un moment historique un peu compliqué, donc avec les journaux en permanence qui passaient des news Très du Covid, anxiogène, très très anxiogène, anxiogène. ouais. C'était très très Et anxiogène. alors, En plus, en plus, oui. on vous avait dit que c'était un peu à vous de surveiller votre bébé, j'imagine, Tout à vu qu'il fait. n'y avait pas beaucoup de personnel avec vous. Ça, c'est Bah, en très fait, angoissant aussi. j'avais un lien direct avec les personnels par téléphone, donc un téléphone avec une ligne au bout de laquelle ils répondaient au bout de 2 secondes. Je dois le dire, tout le monde était super efficace, mais je devais surveiller si elle respirait bizarrement, si sa température toutes les 3 heures. C'est une arrivée au monde effectivement un peu anxiogène, surtout que pas de chance, Gaïa fait plein de bruit par rapport aux 2 autres. Donc, du coup, c'était un peu des sursauts tous les 10 minutes. Mais maintenant, on Bon, s'y fait en assez tout cas, bourré. aujourd'hui,
Aujourd'hui, vous allez bien, toute la famille se porte à merveille. Merci de nous avoir raconté cet Bah, accouchement merci haut à en vous. couleurs. Vous en souviendrez, ça c'est sûr. Et on embrasse la C'est petite sûr. Gaïa qui a l'air tellement mignonne, qui dort bien. Il y a plein de messages pour vous qui arrivent sur les réseaux en disant que Gaïa est très sage. C'est On vous vrai, je embrasse bien confirme. fort. Alessia, au revoir. Merci à vous. Alors, Bonne journée. chaque jour, on continue à vous parler des sujets qui, évidemment, vous angoissent et vous intéressent. Des sujets tout à fait classiques, les basiques de la maison des maternelles. Aujourd'hui, on va parler épisiotomie. Elle est pratiquée lors de 20% des accouchements en moyenne, surtout quand il s'agit d'un premier bébé. Dans quel cas cette pratique, qui est quand même très désagréable à vivre pour les mamans, est-elle justifiée? Et puis surtout, comment peut-on faire pour la limiter? Parce que si on peut l'éviter, on est content. Explication du docteur Marie Borne, gynécologue obstétricienne à la maternité de Thenon à Paris. Et puis aussi d'Anna Roy, notre sage-femme bien-aimée, qui sera avec nous d'ailleurs en live dès demain matin. L'épisiotomie, c'est une incision en fait des muscles superficiels de la vulve, dont le but est d'agrandir l'orifice vulvaire pour faciliter le passage du bébé. D'accord, c'est très clair. Docteur, il y a Alexandra qui vous pose la bonne question. L'épisiotomie est-elle douloureuse? Alors, malheureusement, oui, hein, les suites de l'épisiotomie peuvent être douloureuses. Sur le coup, ça fait pas mal parce que soit on a une anesthésie péridurale, soit elle est faite à un moment où la tête appuie tellement fort qu'on ne sent rien. Mais les suites sont plus douloureuses, bien évidemment, qu'un accouchement sans épisiotomie, au moins pour les 2 premières semaines. On a reçu à l'instant une question de Rovanana Valona Bien. qui vous demande, la possibilité d'épisiotomie dépend surtout de la manière dont on pousse le bébé pour sortir ou bien de son poids à la naissance? Alors, un peu des deux. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, plus on a un gros bébé, plus on a de chances d'avoir une épisiotomie. Même si maintenant, les pratiques ont changé. Hein. Avant, on disait suspicion de gros bébé égale épisiotomie systématique. On ne fait plus du tout et depuis plusieurs années. Maintenant, après, il y a différentes méthodes de pousser, parce que le but, c'est de... Alors là, vous saurez autant que moi, mais le but, c'est de faire progresser tout doucement le bébé. Et donc, on a des manières de pousser à expiration forcée, à bouche fermée, enfin, différentes méthodes pour que le dernier moment de la sortie de la tête se fasse le plus physiologiquement Oui. et le plus doucement possible. Nouvelle question vidéo, cette fois de Romain. Bonjour à la maison des maternelles. Donc, ma femme a subi une épisiotomie lors de l'accouchement de notre fille, sans même vraiment lui demander son avis. Et elle en a souffert pendant plusieurs mois par la suite. J'ai lu également qu'il valait mieux une déchirure plutôt qu'une incision, pour que ça guérisse mieux. Donc, je me demandais pourquoi l'épisiotomie était si banale en France. Et peut-on refuser une épisiotomie? Merci. Anna, est-ce que les patientes sont suffisamment informées en amont, c'est-à-dire pendant Non. leur grossesse? Pas du tout. Je trouve que c'est même très insuffisant. Ah oui. On a tendance à pas vouloir parler des sujets qui fâchent, donc épisio, extraction instrumentale, césarienne, etc. Mais même vous, vous mettez dedans, vous vous dites, tiens, ça me vient pas, qu'est-ce qui Moi, bloque non, en j'ai fait? changé d'avis vraiment, en particulier en devenant maman. Je pense qu'il faut, pour que les femmes vivent bien leur accouchement, il faut les préparer à tout. Une bonne préparation, c'est celle qui prépare à tout pour pas qu'après elles tombent du 8e étage. Mais attends, il faut quand même aussi dire, j'en profite, c'est que je pense qu'il faut quand même que les professionnels fassent un mea culpa. On a fait beaucoup trop d'épisiotomie à beaucoup trop de femmes. Et il y a des femmes qui en souffrent encore 5-6 ans après. Même si le taux diminue, on en a beaucoup trop fait. Alors le fait d'en avoir trop fait, ça nous a permis aussi d'évaluer nos pratiques et de se rendre compte qu'en fait, on a une immense majorité qui est absolument inutile. Donc il y a un juste milieu à trouver. Je pense qu'il faut qu'on continue à cette volonté d'en faire le moins possible sans augmenter le taux de complication. Nouvelle question vidéo, cette fois d'Aline. Bonjour la maison des maternelles. J'ai subi il y a 5 ans une épisiotomie pour un passage de forceps pour mon premier enfant. J'ai toujours mal actuellement. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. J'attends mon deuxième enfant et je voulais savoir si on pouvait y échapper ou si on avait forcément une deuxième épisiotomie. Voilà. Merci. À bientôt. Déjà, avoir encore mal 5 ans après, alors, c'est normal. C'est une complication exceptionnelle hein, de l'épisiotomie qui est la douleur chronique en fait. C'est vraiment rarissime. Alors autant en général, hein, on peut avoir il y a des douleurs périnéales après une épisiotomie, mais qui au bout de quelques mois disparaît complètement. Là, les douleurs chroniques, ça arrive, c'est rare et c'est pas normal. En général, on peut proposer des rééducations ou des traitements. Après, c'est pas parce qu'on a eu une épisiotomie sur le premier accouchement qu'on aura une épisiotomie sur le deuxième accouchement, hein, pas du tout. Et alors, on parlait justement des efforts à faire en France. On peut faire un big up au CHU de Besançon parce que c'est le taux d'épisiotomie le plus bas, enfin en tout cas un des taux les plus bas, c'est exceptionnellement bas, c'est devenu une priorité pour l'équipe et ça marche. C'est un reportage de Maria Pasquet.
Céline vient d'assister une jeune maman pour la naissance de son premier enfant. Cette fois-ci, comme pour la plupart de ses accouchements, la sage-femme n'a pas eu à pratiquer d'épisiotomie. Sa dernière date de 2007 et elle s'en souvient encore avec dépit. J'avais un bébé qui commençait à fatiguer, ça commençait à durer, un périnée bien tendu et la tête ne progressait plus. Donc j'ai fortement hésité, d'autant plus que c'était quelqu'un qui était très proche de moi. Et ma collègue m'a dit, mais là, il faut vraiment que tu la fasses. Donc j'ai fait l'épisiotomie. Un acte de dernier recours qui suscite une certaine réticence chez les sages-femmes de la maternité. Toujours on se remet en cause. À se dire, bah tiens, j'ai été obligée d'en faire une, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Comment on voit avec les collègues, comment t'aurais fait toi? Car ici, c'est une véritable philosophie. L'année dernière, sur 2800 accouchements, seules 12 épisiotomies ont été pratiquées. Derrière un taux aussi faible, il y a la conviction que dans la plupart des cas, cette pratique n'est pas justifiée. Ça fait des décennies qu'on croit bien faire en coupant le périnée pour avoir un objectif mais licite, qui était de protéger le sphincter de l'anus. Et en fait, en faisant ça, on ne protège pas le sphincter de l'anus. Donc, à partir du moment où on ne protège pas, pourquoi faudrait-il couper le périnée? Je ne dis pas qu'on va tendre vers le zéro épisiotomie, ce n'est pas possible. Mais je pense que l'épisiotomie peut devenir un acte au cas par cas. Et je pense qu'il faudrait tendre vers un taux national inférieur à 10, voire inférieur à 5%. À la maternité de Besançon, le taux d'épisiotomie est à 0,5%, car les sages-femmes disposent d'une technique spécifique pour éviter l'incision du périnée. Il faut laisser le temps aux fibres musculaires de bien se distendre, de bien s'étendre pour éviter qu'elles ne déchirent. Quand vous avez un élastique comme ça, qui a chauffé un peu au soleil, vous savez, il est fragilisé. Si vous tirez très brutalement dessus, eh bien, il a une très forte chance de se rompre, de se casser. Mais si vous allez l'étirer très progressivement, eh bien, vous allez pouvoir le distendre d'une dimension très importante. Le secret, c'est donc le temps. Pour cela, on laisse peser la tête du bébé sur le périnée, le temps que le muscle se distende. Mais ce n'est pas tout. Dans cette maternité, on utilise aussi, lors de l'expulsion, une technique qui permet d'éviter les déchirures profondes, la manœuvre de Couder. Le but de cette manœuvre, c'est de dégager un des deux bras du fœtus et donc réduire le diamètre des deux épaules qui est à sortir classiquement en un diamètre un petit peu plus petit pour justement protéger le périnée. La pratique de cette technique s'est systématisée depuis 4 ans. Moi, je pense qu'on est vraiment les gardiennes du périnée, c'est-à-dire qu'on doit vraiment faire attention à ça. Alors après, on n'est pas non plus... périnée intacte à tout prix, c'est-à-dire que si à un moment donné il faut faire une épisio, il est évident qu'on la fera. Un quatrième accouchement, certes, pour cette maman, mais un gros bébé de 4 kilos. Et pourtant, une fois de plus, pas d'épisiotomie ni de déchirure. Alors voilà, l'épaule est sortie. On dégage son petit bras. Regardez, vous allez pouvoir venir le chercher, comme on a dit. Tony vient de naître sans laisser de séquelles sur le périnée de sa mère. La promesse de suite de couche facilitée, comme pour Marine qui a accouché la veille d'un bébé de plus de 4 kilos. C'est vrai que c'est une inquiétude que j'avais moi au départ, le retour à la maison, pouvoir s'occuper de son bébé, enfin voilà, les douleurs que ça engendre, le fait de pouvoir aller faire ses besoins, sa toilette, et puis les rapports intimes par la suite également. Voilà, c'est beaucoup de questionnements et pour ma part, c'est vrai que ça a été parfait. Et pour celles qui ont moins de chance et sont victimes d'une déchirure légère, la maternité de Besançon s'est lancée un nouveau défi, ne pas suturer. Des points désagréables pour la femme qui ne feraient gagner que peu de temps sur la cicatrisation naturelle du périnée. Alors Anna, est-ce qu'il y a des choses à faire pendant l'accouchement pour éviter la déchirure et l'épisiotomie? Alors moi, je pense qu'il faut favoriser les différentes postures au moment du travail et les différentes postures au moment de l'accouchement. Mais ouais. Ça, je pense que les sages-femmes, ils sont de plus en plus sensibles. Et puis, comme position, c'est-à-dire, alors, du coup, trouver la position qui convient à cette maman-là et à ce bébé-là. À une maman n'est pas une autre, en fait. Exactement. D'accord. Donc ça peut être sur le côté, mais ça peut être aussi à quatre pattes, ça peut être sur le dos, peu importe. Mm-hmm. Mais il faut trouver la position qui convient à ce couple mère-bébé. Je pense que, et puis aussi, les faits
que la sage-femme sorte effectivement très doucement la tête. Elle peut masser, elle, le périnée avec de l'huile. Elle peut mettre des compresses chaudes ou des compresses froides. On a tous nos trucs qui font que, mine de rien, on y arrive, quoi. Mm-hmm. Absolument. Nouvelle question, cette fois de Cynthia sur Facebook, qui reparle des douleurs. Elle dit « Ça fait bientôt 6 ans que j'ai eu mon épisio. Elle me fait toujours souffrir malgré les crèmes et autres données par mon gynéco. Ouais. Que faire, s'il vous plaît ?» Alors, il y en a beaucoup des questions comme ça. Ouais. Donc c'est bon. Il y a des méthodes de rééducation. Il y a des kinés qui sont spécialisés dans les douleurs périnéales. Donc parce que le problème du périnée, c'est que au bout d'un moment, quand on a eu très mal à cet endroit-là, le cerveau envoie une information de j'ai mal. Et même s'il y a plus de raison physiologique, mais c'est des vraies douleurs. C'est des vraies douleurs. Donc ça se rééduque. Parce que normalement, les points, ils disparaissent en combien de temps, la cicatrice? Les fils, j'ai quand même souvenir de 3 semaines à 1 mois. Voilà, les fils sont entièrement résorbés en 1 mois. Ouais. Et après, il y a un processus de cicatrisation d'inflammation qui fait un peu mal. Ça tire, ça gratte, enfin, c'est pas agréable et ça fait mal. Normalement, à la fin des 3 mois, il n'y a plus de douleur. Si on a une hyposiotomie, Anna, il y a des solutions pour bien soigner sa cicatrice. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors moi, je pense qu'il faut la considérer un peu comme une... pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une plaie chirurgicale. Absolument. Et donc, il faut y faire attention. C'est-à-dire, on a tous tendance à être un peu des wonder, comme on dit maintenant, à vouloir tout gérer. Ben non, je crois que quand on a une plaie chirurgicale, c'est comme quelqu'un qui vient de se faire opérer, il se repose. Donc, il faut jouer la carte du repos. Il faut changer ses serviettes hygiéniques très souvent pour que ça reste bien au sec. Il faut la laver aussi 2 fois par jour. Enfin, il faut prendre des mesures. Et en particulier, moi, je pense aux femmes, parce que je les vois beaucoup à domicile. En fait, elles s'agitent trop. Alors, il y a des mouvements à éviter. Et voilà. Et en particulier, elles font comme si elles n'avaient rien, parce qu'en plus, elles se bourrent souvent d'antidouleurs, il ne faut pas qu'elles aient mal. Et donc, et je les vois, et ceci, et j'attrape mon enfant, et j'arrête pas, etc. Non, il faut faire super gaffe. Plus on étire la zone des fesses, plus ça tire sur la cicatrice. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Donc, vraiment, par exemple, déjà, on ne ramasse pas, globalement. Et si on ramasse, si on doit absolument ramasser ce chien rouge par terre, eh ben, on garde les jambes un peu pliées et on y va précautionneusement. Et je pense que tant que les points sont là, il ne faut absolument pas porter son aîné, il faut lui expliquer, il faut lui dire, non, mon chou. Je peux pas. Voilà. C'est ça. Et puis, il faut vraiment s'économiser. Combien de temps faut-il attendre avant les premiers rapports sexuels? Au moins 3 semaines. Et en général, c'est plutôt 6 semaines. Les femmes, elles commencent à être au niveau au taquet un peu. Désolée, Benjamin. Au niveau au taquet. Elles ont de nouveau le mojo aux alentours de 6 semaines. N'importe quoi. Pauvre Benjamin qui est en dépression depuis. Bon, bref. On va maintenant, et c'est beaucoup plus sérieux, accueillir une psychologue, parce que c'est vrai que vous avez été très, très nombreux à nous demander d'être accompagnés aussi à ce niveau-là, puisque vos enfants sont angoissés, Benjamin. Et on a parlé des enfants angoissés, mais les femmes enceintes et les jeunes mamans, bien sûr, sont très angoissées. Donc, on est ravis d'accueillir Florence Devailly, qui est psychologue à la maternité du Centre hospitalier André Mignon à Versailles. Bonjour Florence, comment allez-vous? Bonjour Benjamin, bonjour Agathe. Merci. Bonjour Florence. D'être avec nous ce matin. Effectivement, comment les jeunes... Déjà, accoucher, c'est déjà une période qui fragilise beaucoup. C'est vraiment pas le moment où on fait le plus le fier, que ce soit le papa ou la maman. Mais comment les mamans que vous rencontrez juste avant ou juste après l'accouchement ont-elles vécu, vivent-elles ce contexte qui est particulièrement anxiogène? Accoucher dans cette période, c'est très anxiogène. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment. On a la chance, alors j'écoutais le docteur Thierry Harvey tout à l'heure, on a la chance de faire un petit peu comme lui, c'est-à-dire que tant que l'accouchement n'est pas, il n'y a pas de césarienne, ou tant qu'il n'y a pas de question de Covid chez le papa et chez la maman, l'accompagnant peut être là en salle de naissance quand même, à l'hôpital de Versailles, et en prenant des très grandes précautions avec des masques et pas d'elle est venue, il peut aussi venir en chambre ensuite de couche. Donc ça rassure quand même pas mal les mamans. Ce qui les angoisse, c'est plus l'après, en fait. Ah, l'après, le retour à la maison, la crainte de devoir garder un masque, pas pouvoir sortir, tout ça. Voilà, le fait qu'on ne puisse pas être secondé par sa famille, par sa maman, ça, c'est quelque chose qui... Ou est-ce qu'il va y avoir des professionnels qui vont pouvoir venir nous rencontrer, nous visiter? Ça, c'est des choses qui les angoissent beaucoup. Comment vous les rassurez, ces femmes-là? Alors, d'abord, on les rassure à la maternité en étant très proche. Moi, je suis très frappée. Alors, c'est notre métier, notre vocation d'accompagner ces femmes, ces pères et ces bébés au moment de la grossesse et au moment de l'accouchement. Mais je suis très frappée du surinvestissement du personnel soignant, quel qu'il soit, médecin, sage-femme, psychologue. On est 4 psychologues à Versailles. Donc, on est beaucoup plus proche d'elles. On les rassure beaucoup plus. On essaye d'être beaucoup plus présente.
Nous, oui, vous savez, nous, chaque matin, on est en ligne avec des sages-femmes, des gynécologues, des pédiatres qui donc sont dans les maternités. Et j'ai l'impression que tous prennent une part de votre boulot qu'ils n'ont pas forcément habituellement et tous sont plus psychologues que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, nous, chaque matin. Vous confirmez ça? Il y a ce côté-là en plus? Oui, c'est vrai. Je pense que le personnel soignant est vraiment encore plus à l'écoute que d'habitude, si c'était possible. Et puis, et le fait que, alors là, c'est pareil. Je suis pas sûre que ça soit le cas dans toutes les maternités, mais nous, au centre hospitalier de Versailles, on a décidé avec l'encadrement qu'on venait en présentiel à la maternité. Et je pense que ça aide aussi le personnel soignant à nous voir passer dans les services, à pouvoir discuter aussi avec le personnel soignant et à être complètement disponible et pour le personnel et pour les mamans. Bon, il faut qu'on parle aussi des mamans pour qui c'est le plus compliqué, celles qui vont être séparées de leur bébé juste après la naissance, en cas de Covid ou de césarienne compliquée. Comment les réconforter? J'imagine qu'elles doivent craindre pour le lien avec leur bébé, de savoir que le bébé, quand il ouvrira les yeux, ne verra pas sa maman. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, les cas les plus compliqués, ce sont effectivement les cas où le bébé est en maternité, en néonate, parce que la maman a été obligée d'accoucher, par exemple, un peu en avance, parce qu'elle était porteuse du Covid. On a eu plusieurs cas comme ça à l'hôpital. Alors, on essaie de faire au mieux pour essayer de réussir à tresser les histoires de la maman, du papa, du bébé, et d'essayer que petit à petit, ces trois histoires qui se vivent séparément puissent devenir une histoire commune. Donc, ça passe par des choses très pratiques. Moi, je propose beaucoup aux mamans d'écrire, par exemple, tout ce qu'elles vivent loin de leur bébé. On essaye de faire des journaux aussi, des journaux de bord des bébés. Les sages-femmes, les puéricultrices écrivent beaucoup ce que vivent les bébés en néonat. Et moi, je parle beaucoup, nous parlons beaucoup, les psychologues, aux bébés en néonatologie pour leur expliquer tout ce qui se passe et pourquoi leur maman n'est pas forcément là dans les trois ou les deux ou trois premiers jours après l'accouchement. Ah, et ça, c'est un message qui est important, qui est d'ailleurs valable pour tous les parents. N'hésitez pas à raconter ce qui se passe. Si vous-même vous êtes angoissé, je crois que là-dessus, il y a consensus. N'hésitez pas à parler aux petits, leur expliquer, pas avec des mots trop compliqués, mais que c'est compliqué. Florence Devailly, on a reçu aussi beaucoup de questions, non pas à propos des mères elles-mêmes ou même des pères, mais bien sûr des enfants un tout petit peu plus grands qui, bien sûr, vivent eux aussi cette angoisse. Par exemple, on a reçu cette question en vidéo pour vous d'Elisa. Regardez. Bonjour la maison des maternelles, je m'appelle Elisa. Je suis la maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Elle vit très mal le fait d'être séparée de notre famille en ce moment et je voudrais avoir des petites astuces pour lui expliquer pourquoi on ne peut pas les voir et pourquoi on est séparés d'eux. Elle a l'habitude de les voir tous les jours, donc c'est difficile pour elle. Donc si vous auriez des petites astuces à nous donner, ben on est prenant. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je note, allez-y. Alors, d'abord, c'est effectivement, les astuces sont très famille dépendantes quand même, hein, et enfant dépendant. Je pense d'abord qu'il faut expliquer à l'enfant pourquoi on ne peut pas se voir. C'est-à-dire qu'il y a ce virus, alors selon l'âge de l'enfant, ce virus qui est dangereux, qu'on peut transporter. Et donc, les uns et les autres, et en particulier les grands-parents, par exemple, doivent se protéger. Et donc, voilà, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas se voir. Donc, on explique vraiment. Et puis après, moi, mon grand credo, et c'est vrai dans tous les contextes, séparation ne veut pas dire disparition. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est séparés qu'on disparaît de la vie des uns et des autres. Et on a quand même plein de moyens techniques. Alors, Zoom a explosé, on peut s'écrire des lettres, on peut s'écrire des mails, on s'envoie des photos. C'est très important de pouvoir effectivement aider l'enfant à dire que ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas physiquement qu'on disparaît de la vie des uns et des autres. Merci beaucoup Florence Devailly. C'est déjà mieux. Moi aussi. Je me sens bien. Alors, regardez la mère épanouie que je suis après 5 minutes de discussion avec vous. Merci Florence de nous avoir accordé ces quelques minutes ce matin et bon courage pour le confinement. Alors on va accueillir quelqu'un qui nous fait du bien aussi. C'est bien Marie Perarnaud qui est en direct depuis chez elle à Bruxelles. D'ailleurs j'en profite pour embrasser tous les Belges qui me regardent et mes copains belges aussi, j'en ai plein vu que j'y ai vécu 10 ans. J'embrasse Wendy qui m'envoie plein de messages. Marie, alors vous avez des solutions depuis votre Belgique pour nous aider?
Et oui, il faut occuper un petit peu les enfants et le faire de manière ludique, sympathique, calme. Croyez-moi mon expérience, la console vers 19h, c'est pas une idée super calme. Par exemple, il vaut mieux écouter des livres. Et heureusement pour nous, il y a énormément de choses qui se font si vous n'avez pas envie de bouquiner. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure cette collection qui est extraordinaire chez Gauthier Langros de livres CD lus par Elodie Fondacci qu'on peut retrouver en podcast sur Radio Classique. Alors, ceux-ci, ce sont vraiment les préférés de mes enfants. Mais vous allez voir, en ligne, on va pouvoir trouver énormément de choses comme les histoires de Claude Ponty sur France Culture. Alors, France Culture, vous allez trouver beaucoup, beaucoup d'histoires, que ce soit donc Claude Ponty pour les plus petits. On va aussi trouver Rudyard Kipling. On va trouver Tintin, Astérix, énormément de choses diverses et variées pour tous les âges. Ensuite, un podcast que je trouve très, très sympa qui s'appelle Salut l'Info, en partenariat entre Astrapi et France Info. Chaque jour, eh bien, on va avoir un petit podcast qui va expliquer l'info de manière très, très, très pédagogique à nos enfants. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Ensuite, vous, Benjamin, qui êtes féru de mythes et légendes, oh oui, je le sais, eh bien, rendez-vous sur mythes et légendes, le podcast.fr. Vous allez trouver 5 minutes de mythes et légendes, comme son nom l'indique. Alors, on aura les travaux d'Hercule, les écuries d'Augias, tout ce qui nous plaît et tout ce qui passionne les enfants, on le sait. Ensuite, énormément d'auteurs vont lire leurs livres pour les enfants. C'est le cas de Thierry Le Nain. Agathe, d'ailleurs, je vous recommande ce livre un petit peu de la chiale. Je vous le concède, que vous allez adorer et qui est lu également sur le podcast. Ce sont de très, très belles histoires à écouter. On va avoir Vincent Cuvelier qui va le faire également. Donc, rendez-vous sur le site ou sur le blog de vos auteurs préférés. Il y a de grandes chances qu'il vous offre des lectures, tout comme Bernard Giraudot, entre autres, qui vous offrira la lecture d'Harry Potter. Parce que oui, Harry Potter, c'est un classique. C'est très sympa, c'est quand même très très épais et si on veut le lire tous les soirs, eh bien ma foi ça prend un peu de temps, donc pourquoi ne pas proposer une lecture à écouter, c'est vraiment très 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 chouette. Et ensuite évidemment les choses qu'on connaît, si on a la chance de l'avoir commandé avant, mais je crois qu'il livre chez Luni. Il y a La Conteuse également, que je vous ai déjà présentée dans l'émission pour les plus petits, il y a Bookinou, ma foi ça c'est vraiment très très sympa, on... Mais une petite histoire, 5-10 minutes, c'est plutôt cool pour les enfants. Et puis, ils font également des offres tous les jours à télécharger gratuitement. Et alors, nous, on a téléchargé les petites méditations. Je peux vous dire que c'est un franc succès. Ça les détend, pour de vrai. Bon, pour de vrai, écoutez, tous les soirs. Ça, c'est bon à prendre. Marie, vous avez travaillé avec vos mains hier. Et ça, je sais que ça donne toujours des résultats d'une une vraie influenceuse du DIY. C'est vrai, Je n'ai rien à envier au plus grand, car aujourd'hui, je vais vous proposer un DIY de fais-toi toi-même, une carte à gratter. Une carte à gratter, vous allez voir, c'est plutôt simple. Il vous faut une feuille de papier épais type canson, du liquide vaisselle, ça vous devez en avoir normalement, des crayons pastels plus compliqués, mais en grande surface, vous devriez pouvoir en trouver. Il faut que ça soit très, très gras. De la peinture, comme la raclette, de la peinture classique. Moi, j'ai pris du violet parce que j'avais plus que du violet, mais vous pouvez prendre du noir, du bleu, etc. Vaut mieux que ça soit un peu foncé, effectivement. Bâtonnet ou cure-dent, voire petit truc de glace. Ça dépend un petit peu de l'âge de votre enfant. On va éviter le pointu et regardez ce que ça donne. Voilà, on prend des petites feuilles cartonnées. Alors, prenez des petites parce que franchement, faire une carte à gratter de 18 mètres sur 12, ce n'est pas pratique. Et là, on va y aller avec nos petites craies grasses. On va gratter, gratter, gratter. Et on fait n'importe quoi. Il faut que ça soit moche. Il faut qu'il y ait plein de couleurs. Ça ne sert à rien vraiment de faire un dessin. On met des boules, on met des craies. Il faut que ça soit tout mélangé, surtout qu'il y ait plus de couleurs possible. Vous voyez que l'enfant est très, très doué. Ensuite, on va mélanger en proportion de 1/4, 3/4. Donc, vous faites comme à la Marie. Hop là, vous mettez de liquide vaisselle et de peinture. Il faut évidemment qu'il y ait plus de peinture que de liquide vaisselle. On tournicote, tournicote. Et là, on peint. On met un petit truc en dessous pour pas pourrir votre table qui a déjà été pourrie par vos boules effervescentes de la semaine dernière. Et vous peinturlurez. Il faut que tout soit peinturluré. On laisse sécher 30 minutes à 1 heure selon la couche. Et là, bon, bah, voilà, voilà. Quand c'est sec, on gratouille. Regardez-moi c'est d'une ça. Beauté. C'est magnifique, j'ai envie de vous dire. C'est magnifique. Alors, c'est d'une tellement beauté. Magnifique. Je vais vous expliquer. Je voulais vous montrer un petit peu le résultat. Mais mon conjoint a rangé le salon et il m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ces trucs ?» Et il les a foutus à la poubelle. De ce fait, je ne peux pas vous montrer toutes les œuvres de mes enfants. C'était pourtant sublime, je ne comprends pas. Écoutez, Marie, en tout cas, nous, on a trouvé ça magnifique. Tout comme le bébé du jour, Benjamin, on va parler de ce prénom très beau, un peu désuet, qu'on adore et qui revient en 30 secondes. Le bébé du jour, c'est Sophie. Et donc, le prénom du jour, regardez la belle Sophie. Et le
qui vient du grec et qui veut dire la sagesse. C'était un prénom qui était très donné, qui est d'ailleurs très donné depuis l'Antiquité dans la Grèce antique, mais à l'époque c'était sans le A. Et c'est arrivé plus tard, le A arrivé en France au XVIIIe siècle. L'âge moyen des Sophies aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est 38 ans, donc c'est vrai qu'il y a peu de naissances de petites Sophies, mais il y en a environ 300 par an, donc n'hésitez pas à retrouver cette valeur sûre, ce beau prénom. Les Sophies, on les fête les 25 mai. Et des Sophies célèbres, on peut parler bien sûr de Sophie, de la comtesse de Ségur et ses malheurs, de Sophie Marceau, de la Boum à revoir en période de confinement, c'est une merveille. Et de Sophie d'avant, et ce sera notre dernier mot, Benjamin. Très bien, 30 secondes, c'est 30 secondes, parce qu'on doit se quitter et on doit se retrouver demain à 9h en direct avec une bande passante au Topaz. À demain, 9h. Bonne journée à vous.